Le royaume du web, le festival des youtubeurs s'est tenu le week-end passé à Genève. 12 000 visiteurs se sont rendus à Palexpo pour voir en vrai leurs idoles d'Instagram, YouTube ou Snapchat. On va en parler avec l'une de ces nouvelles stars, Verena Blaser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fribourgeoise. Vous êtes. Vous avez des femmes. Bah ouais, allez-y. Coucou les pétasses. Vous êtes fribourgeoise, vous êtes active depuis 2013 sur YouTube sous le pseudonyme de Verena VNR. Non, on dit Vénère en fait. Vénère. Vénère, tu vois. Super, ouais. Waouh. Et donc vos vidéos sont très populaires. Ouais, grave. Merci. Non mais en fait j'ai toujours été ultra populaire, mais genre un truc de malade. Déjà au collège Saint-Michel à Fribourg, j'étais déjà genre mais la plus popu. Bon. Mais un truc de ouf, hein. Vous avez... Vraiment. Vous avez aujourd'hui presque 500 000 abonnés à votre chaîne et vous totalisez plus de 30 millions de vues. Oui. C'est beaucoup ça sur YouTube? Ouais, grave. Ah, ok. Bon, après, il y a mieux, hein. Mais Forcément, ouais. Oui, bah, il y a aussi genre vachement moins mieux, ok? Oui. Genre 10 000, par exemple. Ouais. Ou genre 4 000. Mm-hmm. Oh, ou bien genre même 12, imagine. Ça peut arriver, ouais. Ben. À la honte. Vous pourriez peut-être décrire vos vidéos à ceux qui ne bah, qui vous connaîtraient pas encore? Ah ouais, grave. Ben moi, en fait, si tu veux, je fais dans le clash. Donc, dans le clash. À vous. Donc, si tu veux, en fait, je suis dans ma chambre et je trash, mais alors de ouf. Hein. Vous pouvez me regarder aussi un petit peu moins de temps en temps. Ah, pardon. Non, mais je suis habituée au public. Expliquez-nous. Donc, vous trashez, vous Je trash, mais de ouf. Mm-hmm. Mais du coup, genre en mode, voilà, je suis dans ma chambre et je me fâche contre tout ce qui me vénère, quoi. Voilà. Ouf. Et qu'est-ce qui vous, vous énerve? Qu'est-ce qui vous vénère, enfin... Ah, bah genre tout. Ouais. Mais... Genre, attends. La société, s'il te plaît. Genre quoi, les injustices sociales, le réchauffement climatique. Ah non, mais attends, pas des trucs chiants là. Non, mais relou le mec. Franchement. Non, plutôt les trucs. Genre les mecs. Les mecs. Les adultes, les fringues. Genre le make-up, obviously. Le maquillage. Hello everybody. genre, rester debout quoi. Non, mais tu dois rester debout. Oui, parfois, ça peut arriver. Ouais. Bah ouais, mais relou. Bon, peut-être pour se faire une idée, je vous propose qu'on regarde l'une de vos vidéos. Ah, grave. Hein, ouais. Salut les petites pétasses, c'est Verena Vénère. Bah aujourd'hui, je suis venue vous dire comment j'en peux plus de ce monde, mais dégueulasse. Moi, je suis littéralement dégoûtée, en fait. Hein. Ils ont changé l'emballage des s'il te plaît. Donc, tu vois, c'est pas pareil. J'ai décidé de le tester. C'est parti. Bon, en plus, je viens de me mettre mon vernis, donc j'espère que je vais pas l'écorcher. Bon, ça s'ouvre pareil, hein. Oh, ils ont pas changé le goût! Oh, mais c'est un truc mais de ouf, quoi! En fait, c'est la même chose, c'est juste l'emballage qui change. Oh, n'hésitez pas à vous abonner, on met les petits pouces vers le haut, d'accord? Allez, je vous fais des kissous, mes petites pétasses. Ah, c'est... Non, mais attends, je m'excuse, mais on peut savoir pourquoi vous avez flouté, là, le paquet? Le paquet de chocolat, là? Ouais. Ah oui, parce qu'on n'a pas le droit de citer des marques à l'antenne, en fait. Pardon? Non, mais what the fuck? Sinon, cette vidéo a été vue plus de 300 000 fois. Grave. Comment ça vous rapporte, ça? Tu veux dire avec les pubs sur YouTube? J'en sais rien, oui. Ah non, mais genre les pubs, mais oublie, hein, c'est genre peanuts. Moi, avec les pubs, je touche genre grosso merdo, mais 1000 balles par mois max. Ouais. Non, les pubs, c'est vraiment pour les losers qui font de l'humour ou alors, genre, tu sais, les films intéressants, quoi. Ouais. Non, moi, je suis vachement plus lifestyle. Lifestyle. Ouais. Ça veut dire quoi, lifestyle? Bah, ça veut dire que je suis cool, quoi. Que mes abonnées, elles veulent genre être moi, elles prennent exemple sur moi, bah, parce que je suis belle, first. Et voilà. Du coup, ben, ça me permet de faire du product placement. Du placement de produits, c'est ça? Ouais, du product placement. Ouais. Du coup, ben, par exemple, pour cette vidéo, j'ai été payée 10 000 balles, vite fait. 10 000 francs? Payé par qui, donc? Ben, par la marque que vous voulez pas que je dise parce qu'il me paye moi plutôt que vous. Pouh! Ouais, bon. Non, le mec. On vous a donné 10 000 francs pour manger ce petit bout de chocolat. Mais grave! Non, ne vous inquiétez pas, après je me suis fait vomir, hein, faut pas déconner non plus. Mais si, grave, parce qu'en fait, mes petites pétesses, si tu veux, elles ont toutes genre entre 12 et 17 ans. Donc il y a plein de marques qui s'intéressent, mais de ouf! D'accord, mais au-delà des marques, vous essayez quand même de faire passer un message dans vos vidéos? Ah non, alors pour les messages, en fait, je fais juste des stories hein, sur Snap ou Insta. Non. Ah bah du coup, on peut en faire une. Non, mais je voulais dire, par message, quelle est, je sais pas, la vision du monde que vous voulez transmettre, peut-être Ah oui, bah oui, bah oui, obviously. Bah que je suis cool. Et puis qu'il faut acheter des produits, quoi.
Bah ça, c'est ma transmission. Bon. Just go for it. C'est pas, juste pour terminer, c'est pas un peu frustrant, je sais pas, en termes de créativité, par exemple. Non mais tu déconnes ou quoi? Non mais c'est une créativité de ouf, hein. C'est quand il faut faire une vidéo pour montrer, genre, un survêt jaune et dégueu. Ou alors, genre, du orange à ongles. T'as déjà vu ça? J'ai jamais... Okay. Ou alors genre, des nouvelles marques de pâte à cul. Mais alors, je peux te dire qu'il faut une imagination, mais genre, mais de ouf, ouais. Pour faire une vidéo d'une minute dessus, ouais. S'il te plaît, quoi. Ouais. Et moi, contrairement à toi peut-être, moi, j'ai un public juste hyper exigeant. Ah. Donc je dois pas le décevoir. Okay. Très bien, Verena Vénère, youtubeuse à succès, je vous remercie d'être venue nous faire découvrir ce monde fascinant des chroniqueuses lifestyle sur internet et je vous souhaite une bonne soirée. Reste grave. Merci. Et puis pour les petites pétesses qui se sont pas encore inscrites, vous savez où aller, hein, je compte sur vous. Bisous.